Oh, franchement, ça va et j'ai pris du temps pour bien revenir parce que c'est une blessure qui est un peu dure parce que j'avais cette blessure-là depuis à Toulouse. Donc, du coup, on a pris du temps pour bien préparer. C'est une petite lésion, mais le club ne voulait pas prendre de risque, mais voilà. Donc, du coup, ils m'ont mis à côté et d'essayer de bien reprendre avec le groupe. Ouais, franchement, moi je pense que c'était une bonne chose. Et même si ben voilà là, le début de saison n'était pas assez bien pour moi, mais après vu qu'il y avait de la sélection aussi, j'ai loupé la sélection aussi, ça tout ça ça m'a permis de bien travailler et de revenir plus fort. Bah, simplement juste ça c'est quelque chose qui est important, surtout c'est gagner ce match, c'est important. Et c'est le match qu'on a joué l'année dernière, voilà, ça trouva que j'avais perdu ma mère, mais ça m'a donné l'effort pour, ben voilà, pour jouer ce match, de ne pas abandonner mes amis. Ben, moi, je pense que c'est l'année dernière qu'on est arrivé, voilà, et tout ce qu'on avait vu, parce que le club nous a bien accueillis, surtout nos coéquipiers dans le vestiaire, c'est le plus important de nous bien intégrer. C'est ça qui nous a donné aussi des forces pour être bien sur le terrain, pour être costaud sur le terrain. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on était bien sur le terrain parce qu'on s'entendait bien. Et en ce qui concernant particulièrement moi cette année, et comme j'avais loupé au début de saison de préparation, donc du coup et ça a beaucoup joué sur moi. Ouais, le groupe il vit un peu différemment parce que ce match qui était important pour nous, surtout parce que si on gagnait si le match, parce qu'on avait gagné ce match, donc du coup si ce qui est passé sur le terrain, si ça n'était pas arrivé, on se trouverait à sixième aujourd'hui. Mais après, c'est comme ça le foot. Et ça nous donne aussi de la force pour être costaud le match de Dimas contre Nantes. Donc du coup, on ne peut rien faire. C'est juste seulement, ben voilà, ça nous fait mal quand même. Parce que de jouer 10 contre 11, et de gagner 4-0, après vous trouverez que le match a été annulé. Franchement, ça fait mal quand même, on ne peut pas digérer. Mais comme je dis toujours, c'est comme ça le foot. On laisse ça derrière, on regarde vers l'avant. Et moi, je pense que ça va nous faire du bien d'être concentré encore pour aller à Nantes costaud. Oui, moi, je pense que ça peut se faire. Comme on avait mis en place avec le staff tout et tout. Moi, je pense que c'est. Il me manque cette une petite physique. Donc, du coup, on a mis en place pour essayer de travailler ça.